On est reparti les reilles. J'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FIFA Ultimate Team. Merci les mecs, tout simplement, merci. Vous étiez en majeure partie à avoir kiffé le petit retour sur FIFA la semaine dernière avec la draft Real Madrid Paris Saint-Germain. Que ce soit au niveau des vues, au niveau des likes et au niveau des commentaires, vous étiez présents. Ça fait vraiment plaisir, donc merci à vous les mecs. Aujourd'hui, on est reparti de plus belle avec cette fois-ci. Dans le thème du match entre le FC Barcelone et Chelsea, voilà, c'est quand même deux équipes qui en Ligue des Champions ont vraiment une histoire, qui se sont souvent rencontrées, tu vois, et ça, souvent ça donnait des matchs de folie. Et comme toujours, bon, je pense que vous connaissez à comprendre, on va prendre un maximum de joueurs de Chelsea et du Barça, forcément. Chaque clic sur la vidéo, un petit pouce bleu, ça coûte vraiment rien, on va essayer d'atteindre au moins les 4500 à 5000. Et comme la dernière fois, on va essayer de se faire plaisir avec quelques packs, forcément, les récompenses de la drop de la dernière fois que j'ai terminé, et également un pack offert par eSport, c'est pas souvent ça quand même. Mouais, ça commence bien encore une fois. C'est une blague sérieusement les mecs. Regardez-moi ces cartes sérieusement. Bon là c'est quand même un pack jumbo, donc j'aimerais bien au moins une petite animation. Non, toujours pas. Toujours pas, attention. Mexique, milieu droit, Porto. De la grosse merde. Et alors le pack spécial nouvel en chinois, qu'est-ce que ça donne? Attention. Pas mal l'étoile, pas mal du tout même. C'est quoi? Attention, néerlandais, défenseur central. Lazio, c'est pas terrible, De Vrij, bon, 83 de général, on va dire que c'est plutôt correct, mais bon, eSport, ça reste des gros douilleurs, on va pas se mentir. Bon, et aussi les mecs, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, j'ai passé un nouveau partenariat avec IGVolt.fr, voilà, vous savez que j'étais plus avec eux, mais ils ont décidé de revenir vers moi, et donc je suis repassé en partenariat avec eux, tout simplement, donc pour ceux qui sont intéressés. Et si vous êtes en galère surtout de crédit FIFA Ultimate Team, lien en description, IGVolt.fr, vous avez mon code de réduction, Lexity. Et donc c'est pas tout, mais on est parti quand même, les amis, let's go pour les dispositifs de notre draft, attention, est-ce qu'il va tomber notre dispositif préféré? Et non, toujours pas. Malheureusement, bon, allez, on va changer un petit peu. 4-3-1-2, c'est plutôt pas mal, même s'il n'y a pas d'ailier sur les côtés. On va faire avec. Est-ce qu'il y a un joueur du Barça ou de Chelsea plutôt? Eh ben non, mais on va quand même ne pas se priver. On va prendre la légende d'El Piro. Et je viens déjà de sélectionner les deux buteurs qu'on n'a pas encore de joueurs du Barça et de Chelsea, les amis. Je crois que ça va être très compliqué. Mais par contre, quand c'est pour donner des joueurs cheatés, ça y va, un Son, le mec qui rend dingue. Blaise Matuidi, bah putain, plutôt intéressant en termes de stats, c'est pas dégueu du tout. Bon, ça serait pas mal de toucher notre premier joueur du concept. Non, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, eSport, on pense que je vais me faire bien enculer puisque toujours pas. Non, ça me donne des Sansons, ça me donne des De Bruyne, des Thiago, mais non, toujours pas de joueur du Barça ou de Chelsea. Putain, il aura fallu attendre les remplaçants pour choper notre premier joueur du concept, les amis. C'est quand même assez exceptionnel, hein. eSport, ils veulent pas du tout m'aider. Ter Stegen, bon, gros point positif quand même, puisque c'est une carte boostée. Ouais, les gars, N'Golo Kanté 95 version Totti, c'est exceptionnel. Regardez-moi cette carte de folie. Putain, le mec, je peux le faire jouer buteur, je peux le faire jouer milieu. Bah, forcément, c'est son poste, je peux le faire jouer défenseur gardien. Non, peut-être pas gardien, mais tu m'as compris, il est exceptionnel. Non, mais c'est une blague, sérieusement, les mecs. Coutinho en version Liverpool. Bon allez, on va le compter quand même dans le concept, étant donné qu'il évolue au Barça désormais. C'est bien gentil de me donner des icônes eSport, mais c'est pas ce que je veux mon gars, tu vois, c'est plus rare de choper des joueurs comme ça que des joueurs du concept, et pourtant bah c'est ce qui se passe, malheureusement. Avant-dernier joueur, bah putain, enfin encore une fois, Willian cette fois-ci, joueur de Chelsea. Putain, j'aimerais bien tomber sur Eden Hazard, sur un Lionel Messi, sur un... Et dans le premier épisode quand même, on tombait à chaque fois sur Lionel Messi, là il tombe pas du tout, c'est quand même du grand foutage de gueule, on va pas se mentir. Bon bah voilà quoi ressemble notre team les mecs, écoutez, concept... Beaucoup moins réussi que la dernière fois, mais écoutez, je fais pas trop exprès, hein. eSport décide de m'enculer encore une fois. Dans la vidéo de la semaine dernière, on galérait, tu vois, à choper des Ronaldo, des Neymar, alors que c'est les deux joueurs qui tombent tout le temps et qui auraient aidé pour le concept, et ben là, non. Je préfère me les donner aujourd'hui et ne pas me donner des joueurs du concept d'aujourd'hui. Bref, c'est du grand n'importe quoi dans tous les cas. On a 3, plutôt 4 joueurs du concept, c'est-à-dire Ter Stegen, Kanté, Coutinho et Willian. Bon, Coutinho, comme vous l'avez constaté, on l'a en carte Liverpool, mais bon, il joue au Barça, donc on le comptabilise forcément. Bon, et bien sûr, les amis, comme la dernière fois, hein, vous me balancerez en commentaire vos petits pronos pour ce match entre Chelsea et le Barça, étant donné que ça se passe à Stamford Bridge. Donc, logiquement, les équipes anglaises à domicile, c'est très très fort, mais bon, c'est le Barça en face, donc tout peut se passer, j'ai envie de vous dire, vous me lâcherez ça en commentaire. On va quand même tenter de faire quelque chose. Allez, je t'ai vu partir, c'est qui? Aïe. Dis-moi pas que c'est Kurzawa qui est en face à face, là. Oh, ça combine bien, ça combine très très bien, hein, et la dernière passe qui ne part pas, malheureusement... Oh mais non! Ter Stegen qui fait le taf. Allez, grosse mine, Willian! Ah, j'ai cru qu'il avait tiré comme une grosse merde, mais non, ça va, elle est contrée. Allez, grosse tête! Wow, ça passe pas loin en vrai, hein. Ça passe vraiment pas loin. Ah, Willian! C'est vrai qu'il a pas de physique, hein, ce mec, c'est un truc de ouf. Il est vraiment très technique, très rapide, mais au niveau physique, c'est
C'est équivalent à... Elle est où la défense là, putain? Plus de défense les mecs, putain, heureusement qu'il pousse la balle hyper loin. Ter Stegen qui est encore là, franchement il est exceptionnel. J'appuie sur aucune touche, comme la semaine dernière, il y a eu un pénalty pour l'adversaire où j'appuie sur aucune touche. Bah là c'est pareil avec un coup franc, en espérant qu'il me le mette pas cet enfoiré. Et bah heureusement que j'ai mis De Bruyne, hein. Enfin je dis heureusement c'est pas terminé. Ça va, je la récupère. Oh! Mais vous avez vu, c'est taré les mecs. Putain, Ter Stegen, il est vraiment on fire. Le mec, c'est l'homme du match pour l'instant. Mais mes joueurs, ils sont tellement lents, les gars. Je vous jure, c'est un truc de fou. C'est injouable. Je sais pas si vous l'avez déjà eu, ce genre de bug de latence là sur FIFA Ultimate Team. C'est... Je sais pas si c'est scripté ou si c'est la connexion. Mais en tout cas, c'est ultra lent et genre, c'est impossible d'enchaîner. Allez, Inzaghi. Inzaghi, les amis. 1-0, enfin. Enfin, putain, j'en ai chié à avoir une action. Au final, je l'ai eu et bah ça fait le premier but. C'est excellent. Oh, je t'ai vu partir, mon gars. Je sais pas qui c'est. Je sais absolument pas qui c'est dans le centre. Et le but dégueulasse. La petite PES à l'ancienne qui passe crème. Et cette fois-ci, c'est William qui marque, les gars. Joueur de Chelsea, joueur du concept. C'est excellent, encore une fois, j'ai envie de vous dire. Oh, Coutinho. Coutinho, tu la mets dans l'axe. Et ça fait encore une fois le troisième but, les amis. Inzaghi. Doublé d'Inzaghi. Et c'est le rush kit, les amis. Écoutez, on gagne sur le score de 3-0. C'était plutôt simple, on va dire, contrairement au premier épisode où le mec m'avait remonté, tu vois, et j'en avais chié. Là, 3-0, assez tranquillement, j'ai envie de vous dire. J'espère la vidéo vous aura fait kiffer l'équipe, comme toujours. Si c'est le cas, je compte sur vous forcément pour lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo. Vous n'oublierez pas de me dire en commentaire votre petit prono pour le match, ce fameux match justement entre Chelsea et le FC Barcelone. Là encore, on espère forcément que ce ne sera pas un vieux 0-0 tout pété. Bref, d'ici là, l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexi. Ciao, ciao.